On n'a pas fini de parler du contrôle technique parce que c'est l'une des rares choses qui permettrait de faire baisser la tension parmi les gilets jaunes. Et, et euh, ceux qui voient où est le problème, je précise ça parce que les hauts fonctionnaires qui décident de votre sort ne voient jamais, eux, où est le problème, eh bien on va leur expliquer. Le problème est qu'une démarche simple qui consistait avant toute chose à regarder vivre... Les gens avant de légiférer n'a jamais été effectué. Le problème est qu'on n'a jamais écouté les gens de la profession pour essayer de définir ce qui est techniquement faisable, socialement acceptable, etc. Or, il se trouve qu'en passant l'autre jour au bar de Campagnol, le patron me dit eh :« ben Justement, là ce monsieur vient de me parler de toi. Il voulait te voir parce qu'il a vu ta chronique sur le contrôle technique et qu'il est contrôleur technique. » Alors, je tends la main à ce monsieur, même par traité, la cinquantaine, qui commence par me dire exactement où se trouve son point de contrôle près de Gaillac. Et nous perdons là de longues minutes à, à dire non pas à ce rond-point, l'autre avec l'hypermarché, etc. Une fois que je l'ai rassuré en lui disant que je voyais très bien l'endroit où se trouvait son garage, je le regarde avec une certaine amitié, parce que c'est un méticuleux qui jongle avec les chiffres. Il a d'assez grandes mains, une grande mâchoire, il fait du calcul mental sans arrêt. Et pour illustrer ce qu'il dit. Il range sur le comptoir sa petite cuillère, le sous-boc en carton, ses clés, son porte-monnaie, comme ça, histoire d'organiser son raisonnement pendant qu'il me parle. Et il me parle de quoi De son métier. Il me dit au début, j'adorais faire ce métier parce que c'est un métier de détective. Euh, J'aime bien enquêter. Et là, certains véhicules ont des secrets, des vistes cachées, des bricolages plus ou moins légaux. Alors, ça, j'aimais bien. Mais finalement, je me souviens de votre chronique et vous aviez raison, me dit-il les gens ne peuvent plus se payer les exigences du gouvernement. Et personne au gouvernement n'a jamais demandé aux gens comme moi quel genre de clientèle vous avez, à partir de combien les réparations sont impossibles financièrement, que font les gens quand vous leur demandez une contre-visite. Donc, ça, les soi-disant spécialistes là-haut, vous ne le demandent jamais. Parce que leur but, ce n'est pas de coller à la vie des gens, c'est de coller aux décisions de l'Allemagne ou de Bruxelles. Moi, des véhicules allemands, j'en vois tout le temps, je vois comment les Allemands les entretiennent, c'est l'idéal en fait en théorie, mais c'est impossible à faire ici, et encore plus au Portugal, il était portugais. Hein. Or justement, c'est la solution allemande évidemment qui s'est imposée, donc nous sommes occupés mentalement, moralement, par ces gens qui nous imposent leur rapport à la mécanique, et je peux vous le dire, j'ai le même. De nature, moi aussi, je suis une sorte d'allemand, j'aime que les choses soient bien faites, bien réparées, prévisibles. Et eh bien là, je peux vous dire que le mal prévu est du côté du gouvernement français parce que le raisonnement économique a été bâclé dès le départ pour vendre de, de l'électrique, par exemple. Pour fabriquer une batterie de 1 kWh, on produit 150 kg de CO2. Et je ne parle pas du CO2 que produit la fabrication de la voiture elle-même. Donc si vous prenez une Renault Zoé, par exemple, pour rattraper son déficit en termes de pollution par rapport à une voiture non électrique, il faut qu'elle roule 50 000 km. Sur le plan écologique, c'est nul. C'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit de vendre un point c'est tout, avec leur prime à la conversion, qui est vraiment un truc à la con. Euh, je cite hein, toujours, euh, pour aider euh, des gens qui ne vont certainement pas acheter une voiture à 20 000 euros, eh bien, il faudrait mieux d'aider les gens qui ne peuvent pas payer les réparations et qu'on retrouve ensuite dans la nature et qui n'ont pas passé euh, le contrôle depuis 5 ans. Avec le prix que vous mettez sur euh, l'incitation à acheter un seul véhicule électrique, eh bien, vous pouvez faire réparer 10 véhicules traditionnels et aider donc 10 personnes au lieu d'une. Le patron du café a fait observer qu'on avait obligation d'immobiliser le véhicule, mais notre professionnel a dit, mais les gens se présentent même plus, c'est simple, ils, en, ils encourent 135 euros, ils le savent, ils prennent les petites routes et s'ils se font prendre, on leur vole le véhicule, la gendarmerie le fait enlever. Après, vous retrouvez le type en question comme un fou, nous dit-il dans son patelin de campagne avec ses deux enfants à la maison et pas d'autobus, il prend un fusil de chasse et il menace les gendarmes. Alors moi je dis bravo, une réglementation européenne qui finit le fusil à la main, et eh ben c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. En plus, vous aviez raison, conclut-il, euh, les gens quand ils attendent chez moi, on dirait qu'ils viennent de passer un scanner à l'hôpital, sans déconner, il y en a qui se flingueraient quand on leur annonce que la voiture est malade. Euh, C'est marrant, mais la Sécu rembourse les réparations pour une tumeur au genou, par exemple, mais pas pour une rotule de direction. Or, quand on y réfléchit, la dépense est tout aussi insupportable pour les gens modestes. Elle revient au même. C'est un organe essentiel. Bon, eh ben, il faut que j'y aille, nous a-t-il dit, et notre conversation s'est arrêtée là. Mais cette comparaison euh, avec la sécurité sociale et la santé humaine m'a frappé. Je vous la soumets donc. Abonnez-vous, merci.